bien les mécaniciens. Max veut améliorer ses sauts. Il faut donc améliorer son moteur. Bleu, tu peux voir qui est à la porte, s'il te plaît? Qui est-ce, Bleu? J'espère que tu vas apprécier mon petit cadeau, Gecko. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Je me demande de qui ça vient. Waouh! Un nouveau cric de voiture. On va le tester. Comme j'ai mis un ressort dans les crics, je pense que tu vas le trouver un peu rebondissant. Ah! Oh! 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 Les mécaniciens! Oh! 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 Ouh! Au! Oh! Au! Ah! Merci, les mécaniciens. Je crois que ce cric est un peu cassé. Attendez une petite minute. Ok, Max. Essaye donc. J'imagine que chaque chose est utile. Beau travail, tout le monde. Oh, Berk. Bonjour à tous. Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Je crois que je vais choisir... Jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric. Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir, ici, au garage de Gecko. Oh, bonjour tout le monde. Bleu et moi allons chercher un arbre de Noël pour le garage. Oh, hii! C'est Bobby le bus. Il est coincé. Oh. Ce chocolat chaud va te réchauffer. Ne t'inquiète pas, Bobby. On va vite te décoincer. Oh! Ce n'est pas bon. Décroche-nous, Bleu. On va essayer autre chose. Oh!
Oh non! Maintenant, Tilly est coincée dans la neige. Oh, chair bleue, on dirait que nous sommes aussi coincés. Ne sois pas triste, Bleu. Quelqu'un va nous aider. Au moins, on a ce chocolat pour nous tenir chaud. Oups! Regarde! Le chocolat chaud a fait fondre la neige. J'ai une idée! Ça a marché! Accroche-toi, Bobby! Il n'y a pas de quoi, Bobby! Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet arbre? Ah ah! Parfait! Joyeux Noël à tous! Tu peux le faire, Molly! Hey! Elle l'a fait! Ne t'inquiète pas, Molly. On va sauver ta peluche. Allez, tout le monde. Oh, oups. La peluche est sur Fiona. Suivez ce camion de pompiers. Fiona! Arrête-toi! Qu'est-ce que... Allez, grenouille! Laisse-moi passer! Wilbur T. Weasel arrive! Non! Le feu est toujours rouge! Attends, Fiona! Je dois regarder ton toit! Nom d'un petit boulon! Il a disparu! Ah... Il était temps. Eh bien, une nouvelle mascotte pour partager nos voyages avec Sly. Où est mon appareil photo? Je veux prendre une photo. Et peut-être aussi que je vais utiliser la peluche pour nettoyer mes fenêtres. Oh, on va continuer à chercher Molly. Ne t'inquiète pas. On aurait une meilleure vue depuis le ciel. Nom d'un tournevis. C'est la peluche de Molly. Je ne m'attendais pas à ça. Où est-il passé, Sly? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Au revoir, tout le monde. Un nid de poule. Je vais demander à Dylan le camion à Ben et à Eric la pelleteuse de le combler. Oh mince! On dirait que Bobby le bus a des ennuis. Nom d'un chien! Il a eu un accident. Sortons-le de là, Tilly. Ne t'inquiète pas, Bobby. On va te réparer et te remettre sur la route. Porte du garage, ouvrez vite! C'est le moment d'aider un véhicule dans le besoin! Maintenant, il faut trouver ce qui ne va pas, Bobby! D'abord, on va vérifier tes yeux. Allez, les mécaniciens! Tu n'as aucun problème avec tes yeux, alors. Vérifions tes roues! Pas de problème avec tes roues non plus. Ah ah! J'ai trouvé le problème. Tu as un essieu tordu. Ne t'inquiète pas.
On va vite le redresser. Plus de zigzags pour toi. Ton essieu est maintenant comme neuf. Je suis content qu'on ait pu remettre Bobby sur pied. C'est si bon d'aider un ami. Bonjour tout le monde. On modernise la station de lavage pour qu'elle puisse projeter de la peinture. Ok, maman camion, c'est parti. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la peinture sèche. Qu'est-ce qu'on va faire? Que diriez-vous d'une partie de cache-cache? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prêt ou pas? J'arrive! As-tu vu bébé et les mécaniciens, maman camion? Où peuvent-ils être? Regardez par ici. Ah! Je vous ai trouvé. Maintenant, à mon tour de me cacher. À la prochaine. Au revoir. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf. Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Oh non, les mécaniciens. Je pense que le garage est peut-être hanté. Bleu. Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir! Regardez les mécaniciens, voilà Cap qui arrive. Les nouveaux patins d'hiver que nous avons installés sur Elena l'aideront à atterrir en toute sécurité sur la neige. Hi-ha! Tu as réussi, Elena! Bonjour, Cat! Bonjour, Gecko! Regarde, Rouge!
Carrie et Barry font un bonhomme de neige. Hey! Oh! Nom d'un petit chien! Ils partent à la dérive! Allez vite, Tilly la dépanneuse! Ne vous inquiétez pas, les jumeaux! On va vous sauver! Attrape, Carrie! Oui! Kat, tu peux essayer de rattraper Barry? No problemo! Vamos, Elena! Je t'ai! Appuie sur le bouton rouge. On a réussi. Ah. Dommage qu'on n'ait pas pu sauver le bonhomme de neige. Gecko? Oups, lo siento. Pas de problème, Kat. On a un bonhomme de neige après tout. Ou plutôt un gecko des neiges. Ah, voilà maman camion. Tes indicateurs vont bien fonctionner maintenant. Heureusement que j'ai toujours des ampoules de rechange. Ah, c'est Molly qui joue avec son jouet favori. Et avec bébé camion aussi. Assure-toi de le partager. Pauvre bébé camion, tu as un bobo, mais tu vas t'en sortir, je te le promets. Molly? Jetons un coup d'œil sur toi maintenant, Molly. Tu vas bien? Hein? Oh non! Molly a une fuite d'huile. Je n'ai pas les outils pour pouvoir la réparer ici. On doit te ramener au garage. Rapidement! Je vais avoir besoin de ton aide, bébé camion. Peux-tu garder la route dégagée afin que je puisse vite amener Molly au garage? Tout le monde, allons-y rapidement. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Oh non! Eric et Dylan bloquent la route. Merci Eric et Dylan. Bien joué, bébé camion. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. T'inquiète pas Molly, nous sommes là pour toi. Et tu seras comme neuf quand on te réparera. Grâce à notre équipe et aux outils, on répare chaque partie de chaque ami. Réparons, soudons, vérifions et puis recollons toutes les parties. Cette réparation t'a rendu plus forte qu'avant. Tu ne perdras plus d'huile dorénavant. Oh, on n'aurait pas pu la réparer sans ton aide, bébé camion. Oh, et regarde, Bleu a réparé le jouet camion. Bien joué, Bleu. Et bravo pour le partage, vous deux. Je suis si fière de vous. Au revoir, tout le monde. Bonjour, tout le monde. C'est l'anniversaire de Vert et on se prépare pour une fête à la plage. Oh, reste là. Ce sont des ballons à l'hélium et ils flottent dans l'air.
Ah, tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de verre. Attention, Fiona! Ne roule pas sur le sable mouillé! Vite! La marée monte! Oh! On va te sortir de là, Fiona! Ah ah! On peut la soulever avec tous tes ballons verts! Je sais que tu aimes tes ballons, mais Fiona en a vraiment besoin! On peut les utiliser, s'il te plaît? Ça marche! Ça marche! Oh oh! Ça marche trop bien! Elle vole! Non! C'est ça! Allez, allez les mécaniciens! Bon travail les mécaniciens! Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête! On est content que vous soyez venus! C'est super d'avoir partagé les verres. Et joyeux anniversaire! Hurrah! On a fini les mécaniciens. C'est le soir de Noël et le garage est magnifique. Vous savez ce que vous souhaitez du Père Noël? Oh, tu ne sais pas, Bleu? Eh bien, tu ferais mieux de te décider. Le Père Noël sera bientôt là. Oh, oh, oh! Oh, waouh! Je ne pensais pas qu'il arriverait ici si tôt. Hein? Bonjour, Père Noël. Gecko, j'ai besoin de ton aide. Mes rennes sont malades et mon traîneau ne peut pas voler. Et je dois le conduire dans le ciel. Si je ne livre pas tous ces jouets, il n'y aura pas de Noël pour les filles et les garçons. Ne t'inquiète pas, Père Noël. Nous allons le faire voler. C'est ça. Sauvé par l'équipe de Gecko. Alors voici un cadeau pour chacun d'entre vous. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci, Père Noël. Tu as décidé ce que tu veux, Bleu? Oh, est-ce que tu veux monter sur mon traîneau? Alors monte à bord et volons loin. Ho, ho, ho. Oh, joyeux Noël de la part de nous tous, ici au garage de Gecko. Joyeux Noël! Bobby? Oh non! Ton pare-brise est fissuré. Vite, rentre à l'intérieur. Oh, ça doit faire mal. On va devoir le remplacer. Les mécaniciens, vous pouvez aller chercher un nouveau pare-brise, s'il vous plaît? Et faites attention, ce verre est très fragile.
Regardez! Regardez ma nouvelle dent! Elle est en or et elle brille! Hors de mon chemin, les poubelles! Gecko! Regardez ma nouvelle... ma dent en or, où est-elle? Elle m'a coûté si cher! Bien joué, les mécaniciens! Merci d'avoir apporté le pare-brise! C'est fait, Bobby! Tu peux y aller! Les mécaniciens, vous pouvez enlever l'ancien pare-brise? Ah ah! Je l'ai trouvé! Bonjour tout le monde! Nous sommes en route pour la maison de Kat pour une vente de gâteaux! Hola amigos! Bienvenue à ma vente de gâteaux! Nous avons des beignets, des cupcakes et mon préféré, tres leches. Où sont les gâteaux, Kat? Oh non! Mes gâteaux ont été volés! Ces gâteaux sont délicieux et ils sont tous à moi! Pas à toi, Sly! Trouve tant d'autres! Je suis si plein! Je crois que je vais fermer les yeux! Oh non! Monsieur Weasel s'est endormi au volant! Suivons cette voiture de sport! Hein? Monsieur Weasel! Réveillez-vous! Nous devons les arrêter! Accrochez-vous bien, les mécaniciens! Monsieur Weasel, vous allez bien? Oh, ça va, Sly. C'est juste un pneu crevé. On peut le réparer. Gecko sait exactement quoi faire. Avec un pneu réparé, tu seras comme neuf. Gecko, des nouvelles de mes gâteaux? Excellente! Tu as retrouvé les gâteaux! Oui, bien joué, Sly! Non, non, non! Qui trouve, garde! Ils sont à moi! Non! Oups! Allez, Kat! Ramenons ces friandises où tu vends tes gâteaux! Au revoir, tout le monde! Bonjour tout le monde! Bienvenue au garage de Gecko! Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez! Voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Salut bébé camion! Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé. Ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr, on ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon.
Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. Ah ah, c'est ça. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Le lave-auto fonctionne et Bébé Camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir! J'adore ce que tu as fait avec le garage, mon petit Gecky. Il était très différent à mon époque. Oh, merci, grand-mère! Tu aimes te faire nettoyer, hein, Miles? Il a l'air tout propre, les petits! Au secours! Au secours! Je ne peux pas l'arrêter! Monsieur Weasel, il a des problèmes! Grand-mère, attends! Merci, Rouge! Reculez, les enfants! Grand-mère arrive! Monsieur Weasel, mais quel est donc le problème? L'accélérateur est bloqué! Je ne peux pas ralentir! Au secours! Grand-mère, le toit ouvrant! Bien reçu, mon petit! Gecko, fais-la s'arrêter! Désolé. Oh, l'accélérateur est collé avec du chewing-gum. Bah. Ouf. Il s'en est fallu de peu. N'importe quoi. J'avais tout sous contrôle. Je n'aurais pas pu réussir sans toi, grand-mère. Pas de problème, mon petit. Tu as bien réfléchi. Je suis fière de toi. Oh, merci, grand-mère. Salut, tout le monde. C'est Gecko. On est sur le chemin du retour. Quoi? C'est Bébé Camion. Qu'est-ce qu'il y a, Bébé Camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens! Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert? Tu vois quelque chose là-bas? Elle doit être ici, quelque part. Yeah.
suis désolée, bébé camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh, bleu! Bien joué! Tu l'as trouvée! Et voilà, bébé camion. Ah, tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir. Bleu, bleu, où es-tu? Bonjour tout le monde. On travaille dehors aujourd'hui parce que l'échelle de Fiona est coincée. Elle est trop grande. Oh. On devrait aussi vérifier tes pneus, Fiona. Oh, bleu. Quelqu'un pourrait-il aller chercher le cric? Bon travail, Rouge. Je vais prendre ma clé à molette. Robot rebondissant! Ne t'inquiète pas, Rouge. On va te faire descendre. Vert, jaune, ramenez-moi une couverture. J'ai une bonne idée. Rouge, quand je te dis de sauter, tu sautes, d'accord? Saute! Oh! C'est le moment d'être un héros. Tu es prêt, Bleu? 3, 2, 1, sautez! Vous inquiétez pas, on va vous attraper. Ouf! Tu as sauvé la journée, Bleu. Hurrah pour le héros! Venez, super mécanicien. Finissons les soins de Fiona. On se revoit bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde. Oh oh, il y a beaucoup de véhicules qui attendent pour utiliser le lavoto aujourd'hui. Ah, merci Bobby. Ah, Gecko a beaucoup plus de clients que moi. Mais si je casse son lavoto, tout le monde devra venir au mien. Oh, bébé camion, que puis-je t'offrir aujourd'hui? Hein? Nom d'un tournevis qui tourne! Qu'est-ce qui arrive au lavoto? Nous devons l'éteindre. Oh non! Nous avons un lavoto en fuite. Oh! Oh! Oh, c'est vraiment trop drôle. Oh, oh. Bon sang! Bon sang! Suivez ce lavoto! Ah, ne t'approche pas de moi! J'ai pris une douche la semaine dernière, merci! Non! Non, 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 non! Non. Ah. On doit se mettre devant lui, les mécaniciens! Allez, on y va! Les mécaniciens, montez et dévissez ce panneau de contrôle. Maintenant, coupez le fil rouge. Mais non, pas le fil jaune, le fil rouge. Thank you.
pas le vert, le rouge. Ah, ouf. Bim bam boum. Nous avons arrêté le lave-auto en fuite. Mais, comment allons-nous ramener ça au garage? Salut tout le monde. Bonjour à tous. On a une journée chargée. Bébé Camion et Max ont besoin d'un changement de pneus. Mais où est Max? Bonjour Max. Allez-y les mécaniciens. Jaune. Oh, Jaune a roulé et s'est cogné la tête. Alors à vous de jouer, bleu et rouge. Allez, viens, Jaune. On dirait que les pneus se sont mélangés. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il nous suffit d'échanger les pneus. Ne t'inquiète pas, Max. On va vite régler le problème. Burk. Oh. Bébé Camion, on voit bien que tu t'amuses. Mais ce sont les pneus de Max. Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant? Ah, oh, bien joué, Bébé Camion. C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté. Et bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde. Nous allons rendre un service à Fiona, le camion de pompiers. Ah, la journée a été longue. Excusez-moi. Bon, c'est quoi la suite, les mécaniciens? Que c'est à toi, Bleu. Bon, où en étions-nous, les mécanos? Tout est fait. Nom d'un petit tournevis. Ça a été rapide. Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider. Beaucoup de véhicules dans le besoin. Nom d'un petit tournevis, les mécaniciens. Nos amis ont des pneus à plat. Oh là là,
On dirait que les véhicules sont fatigués d'attendre. Oh, des écrous et des boulons. Je n'ai jamais eu à fixer autant de pneus aussi vite. En parlant de pneus rapides, ça me fait penser à... Grand-mère! Voilà mon petit Geki. Avec un très gros travail sur les bras. Comment le sais-tu? Le cher petit bleu m'a fait savoir. C'est bien de demander de l'aide de temps en temps. Merci à vous deux. Heureuse de t'aider, comme tu m'as toujours aidée, ainsi que tous les autres. Maintenant, les enfants, on s'organise. Allez, allez, grand-mère. Bon, les mécaniciens, j'ai une idée. T'es exercé, Geki. J'ai appris de la meilleure. Reviens vite, mon cher. Merci, grand-mère. Je ne me lasserai jamais de travailler avec toi. Et tu ne te lasseras jamais de tes blagues non plus. Maintenant, qui a faim? Tu mérites un peu de repos, grand-mère. Mais j'ai apporté ton plat préféré. La tarte aux pommes de grand-mère. Oh! Venez les mécaniciens, aujourd'hui on a la visite de Fiona. Waouh! Je suis Will Watty Weasel, patron des roues Weasel. Entièrement automatisé pour une réparation rapide. Bonjour monsieur Weasel, je suis Gecko. Ah, voici mon premier client. Chaque tâche est faite rapidement. Donc on peut dire que les roues Weasel sont numéro 1. À plus tard, grenouille. Mon nom est Gecko. Très bien, Floella. Ce ne sera pas long. Je ne suis pas sûr de savoir quel bouton démarre le programme. Oh, appuyons sur tous les boutons, ça devrait marcher. Reviens me voir, Félicité. Ça, c'était rapide. Oh, ciel, elle n'a pas l'air bien. Viens donc, Fiona. On va regarder ça. Voilà le problème. Weasel était tellement pressé de faire les choses qu'il a mis du savon dans ton réservoir au lieu de l'huile. On a réparé le problème correctement. Maintenant, Fiona roule sans bulle. Je suis sûr que j'ai appuyé sur le bon bouton. Hein? Burk! Oups! À très bientôt, au garage de Gecko. Au revoir! Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens. Hé,
Non, ce n'est pas ça. Attends une minute. Ah ah! Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Yeah. Hourra! Bien joué, Bleu. Bien joué, Vert. Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir! Oh, bien joué, Kat! Gracias, Gecko! On est à la base de Kat aujourd'hui pour son anniversaire. On lui a acheté un gros gâteau. Mais chut! Elle ne le sait pas encore! On doit aller sauver quelqu'un. Ne t'inquiète pas, Jaune. Je dois juste ajuster le treuil. On doit tomber rapidement. Elena, arrête le rotor. Tu es prêt, Gecko? Presque, presque. Oui. Encore un atterrissage heureux. Et... joyeux anniversaire, Kat. Ah, gracias, amigos. Hourra! Ah, hourra! D'où vient cette délicieuse odeur? C'est exact. Un kebab gratuit pour chaque client. C'est sûr, ça va me faire plus de clients. Allez, Eric. Cuisine plus vite. Est-ce que quelque chose brûle? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce stupide barbecue? Non! Mon beau barbecue, non! Fiona, le camion de pompiers, il y a un feu! On est sauvés! Aidons à éteindre ce feu! Allez, allez, les mécaniciens! Sauvez-le! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Je suis trempé! Oups! Désolé! Le tuyau n'est pas assez long! Bonne idée, Fiona. Utilisons l'extincteur.
Je te tiens. Dieu merci, tout le monde est sain et sauf. Bon travail, tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Viens donc, Vert. Chargeons tous ces vieux trucs dans Tilly. Oups. Désolé, Jaune. Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie. On ne peut pas le garder. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Oh non! Pauvre Bébé Camion, quel atterrissage difficile. Si seulement il y avait un moyen de le rendre plus doux. Qu'est-ce qu'il y a, Maman Recyclage? Tu as une idée? Bébé Camion, tu devrais atterrir en douceur cette fois. De rien, Bébé Camion. Oh, merci, Maman Recyclage. C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux.